Yo tout le monde, c'est Lambda dans le gaming et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de The Crew. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que justement ces deux bêtas sortaient, donc elles étaient un petit peu près dans la même semaine. Donc The Crew est sorti du jeudi au dimanche. Donc on est dimanche, hein, là, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Donc je la filme juste avant que la bêta se termine. Alors je fais cette vidéo spéciale pour vous, donc je tiens à dire que j'ai été spécialement sélectionné sur des milliers de personnes pour pouvoir tester cette démo. Donc j'ai décidé de faire cette démo avec vous. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc on arrive direct dans le jeu. Déjà on peut voir que la carrosserie, bon ils ont plutôt bien travaillé Ubisoft, hein. Plutôt stylé. Attends, je vais essayer de voir si la fumée elle fait un petit peu comme Forza. Non, comment? Non. Ah voilà, comme ça. Ah non, non, je crois que je peux avoir le temps, il y a 10 secondes. Donc c'est parti, on roule, on roule, on fait la nitro. Donc comme dans tous les jeux de voiture, hein, donc c'est la nitro. Donc, pour pas oublier, The Crew est un jeu de course, hein. Mais par contre, je trouve ça un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas de scénario. Là, on vient de commencer. Déjà, il y a un mec dans ma bagnole, d'accord. Donc, on a la médaille de bronze, bah, c'est normal, hein, 1200 points, d'accord. Et je pense qu'il va y avoir un scénario, donc chargement. D'accord, donc, le mec qui était à côté de moi dans la voiture est sorti. Bon, il a l'air plutôt baraqué, hein. Moi qui est dans la voiture, on dirait une lopette, mais bon, c'est pas grave. En plus, je regarde l'heure, voilà. Alors, soit il y a des dealers ou soit ils préparent un truc. Ah, peut-être une course, je sais pas, il a l'air concentré, je n'en sais rien. Ah, le mec qui arrive. Je sais pas, on dirait qu'il va se passer un truc. C'est lui. C'est lui, bouge pas. Bouge pas. Dayton il s'appelle. J'avais entendu son nom, bon. Bon, il va vers le mec, il avance, plutôt baraqué, hein. Ça y est, lui parle. Moi j'attends, bah oui, hein, on a peur. Ouais. C'est tout? Ah non, je croyais qu'il se passait d'autres trucs, moi. Oh non! Oh le bâtard! Dayton! Mais c'est qui? C'est mon frère? C'est qui? C'est un cousin? C'est un pote? C'est quoi? Dayton, oh merde! Non! Oh! En plus, il y a des flics, c'est pas moi! Voilà, ils vont vraiment m'inculper alors que j'ai rien fait, voilà. Non! FBI, les mains en l'air! FBI, les mains en l'air! Mon frère a besoin d'aide! Mon frère a besoin d'aide, il. Eh, mais ils sont cons! Eh, mais c'est pas moi! Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Bon, en même temps, c'est normal, hein, tout le monde ferait ça. Quoi. Et de nous, il va mourir! Bah oui, il est occupé, vous, lui! Eh non, il s'en fout, non? Mais faites des preuves à Nelly, vous verrez que c'est pas moi! Il y a une arme! Il y a une arme, mais c'est pas à moi! Celui-là est cané! Celui-là est cané! Non! D'accord. Ouais. En fait, qu'est-ce que c'est à voir? Parce que normalement, c'est un jeu de course, et là, je comprends pas trop. 5 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe 5 ans plus tard? Chargement. Oh, j'ai les menottes et tout, genre! J'étais pendant 5 ans enfermé. Oh, ouais, elle a l'air plutôt. Oh, belle la coupe, j'aime bien la coupe. D'accord, donc c'est qui? Elle me balance des dossiers comme ça. Bonjour. Bonjour Alex. Alex, je m'appelle Zoé. Bonjour Zoé. Je pense qu'on peut s'entraider. Je sais pas. Ah, c'était le tueur, je le reconnais le mec. D'accord, tu connais ces types? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Celui-là a tué ton frère. Celui-là a tué ton frère, l'autre a été accusé de meurtre. Ouais, voilà. Moi, bah, je suis traumatisé, je parle pas. Hein. Voilà le deal. Alors, je veux coincer cet homme. L'agent spécial Coburn, c'est un oui, mais j'ai besoin de preuves. D'accord, ok. Toi, tu veux coincer l'autre, Denis Jefferson, surnommé chef du gang 5-10. Je marche. Il te reste 8 ans à tirer. On peut remettre des compteurs à zéro et facilement. Je marche. Bah, le mec, hein. À partir de maintenant, tu vas travailler pour le FBI. Super. Je suis du bon côté de la barrière pour une fois. On va aller maintenant pour une fois. D'accord, donc je suis du bon côté de la barrière. On t'a préparé une voiture en ville. On t'a préparé une voiture, bah c'est super, hein. Je sors de tôle, j'ai déjà une bagnole toute neuve. Je t'appellerai. Très bien, ok. Ouh, il est farouche là.
Je garde ça. J'aimerais pas qu'il soit en face de moi. Hein. Si ça peut te motiver. Si ça te motive. D'accord. Bon, et bah c'est parti les gens. C'est ça notre nouvelle voiture. Je t'envoie sa position. Appelle-moi après. Non, je te rappellerai pas jeune fille. Donc, c'est ça notre nouvelle voiture qu'ils nous ont donnée. Elle est plutôt stylée, hein. C'est une Chevrolet. Ah. C'est pas moi, désolé. Là. Richard est à gauche. Carlos, tiens. Bon, donc nous on doit suivre le petit trait bleu. Je sais pas où c'est que ça va nous mener. Il n'y a pas de nitro sur le véhicule. Mais j'en veux moi. Ah oui, d'accord, c'est je sais ce qu'il faut faire. What, mais qu'est-ce que je fais non. Donc, et en fait, je vais devoir aller au garage, personnaliser ma propre voiture. Donc, je me suis couru. C'était pas là. Un demi-tour, s'il vous plaît. Hop. On va aller là-bas. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Donc, on va aller dans notre garage, personnaliser notre voiture. Je crois qu'on est arrivé. Voilà, c'est là. Hop. Entrée. Ah, voilà. Chargement. Oh, c'est stylé, c'est beau. C'est une cinématique. D'accord, préparateur. Eh, mais c'est stylé la couleur, j'adore. Et c'est stylé, je suis désolé, c'est stylé. Alors, réparateur te permet de différencier les choses achetées des services. Et ça, particulier, ce qui te permet d'adapter ta voiture à un type de terrain donné. Une fois le starter guide, je m'en fiche. Donc, niveau 1, voilà. Donc, je sais pas juste ce que ça fait. On retourne sur la route. On est de retour sur la route. Ah, d'accord, donc c'était la. What? Dans la vraie vie, une bagnole fait ça. Mais bien sûr, oui. Je crois que c'est une bagnole des Transformers. Bref, tuner ta voiture. Non, je veux pas la tuner. Oui. Donc je dois me rendre vers la position où il y a le trait bleu. Et je l'ai loupé. Bah oui, comme d'habitude, je loupe toujours tout. Non, faut pas pousser dans un arbre. Non. Alors, donc, je sais pas du tout. Je crois qu'il faut. Ouh, je fallais pas une course. Je sais même pas ce que je dis. Voilà, donc on a changé de voiture, donc je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Alors, dernière vidéo, donc je dois mener cette voiture à bon port. Donc j'ai été avec l'ami de celui-là qui a tué mon frère. Et je dois essayer de le retrouver pour pouvoir le buter. Donc je dois mener cette bagnole à bon port. Hop, on va s'arrêter là. Ouh, sinon c'est la catastrophe, on s'arrête là. C'est bon. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, ça fera super plaisir. Bon, c'était notre première bêta sur The Crown, en attendant on se retrouve pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, peace.